Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch de comment importer un véhicule du solo online. Alors aujourd'hui, ce glitch a la particularité, vous pouvez l'importer directement à votre garage. Donc si c'est un véhicule que l'on peut rentrer directement dans le garage, il n'y a pas de souci. Si c'est un véhicule qui ne peut pas rentrer dans le garage, et ben, il existe la méthode de comment mettre n'importe quel véhicule dans son garage, qui est toujours fonctionnel. Mais par contre, je le dis tout de suite, tout ce qui est véhicule de police, tout ce qui est véhicule utilitaire, de secours et tout ça, les véhicules spéciaux, vous ne pourrez pas les rentrer dedans puisque c'est dans le script que ça a été fait comme peut plus être dans nos garages. Voilà, donc pour faire cette manip, ce qu'il va falloir, il faut que déjà vous soyez dans les options en point d'apparition, dernière position. J'en profite pour vous montrer que nous sommes bien en 1.11. Là, pour ce glitch, j'ai démarré sur une session pour mon crew. Donc vous verrez pourquoi plus tard. Ben pourquoi pour cette raison-là. C'est que là, ce que l'on va faire, c'est qu'il faut qu'on valide notre position. Donc on va se mettre comme ça. On va partir sur un perso du solo. On valide. Ça aura pour but de sauvegarder notre position. Dès qu'on réapparaît dans le solo, on va repartir en ligne. Donc là, on peut se mettre sur une session sur invitation, ça n'a pas d'importance. Là, on voit bien qu'on a réapparu devant notre garage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on est en ligne, on fait Start. Hello. Marché Xbox Game. On va valider. Et là, on va compter 1, 2, 3, hop. Et on déconnecte son profil. Une fois de retour dans le solo, on va reconnecter son profil Xbox. Quand on a chargé son profil Xbox, on va charger jeu. Charger la sauvegarde qu'on a besoin, soit celle où on a mis le véhicule que l'on veut dans un des garages prédéfinis, soit une sauvegarde normale si on veut importer un des véhicules, des personnages principaux, l'Atagliateur, le 4x4 de Trevor ou la Buffalo. Dans notre cas, on va le faire avec la Buffalo, parce que malgré tout, la Buffalo de Franklin n'a rien à voir avec les Buffalo qui circulent dans le online. Sauf si vous croisez la Buffalo de Franklin d'un autre joueur. Voilà, c'était une petite anecdote, parce que un peu ras-le-bol des commandeurs qui disent « Ouais, c'est pas vrai, la Buffalo de Franklin n'a pas besoin de la porter puisqu'elle est partout dans le online. » C'est pas vrai. Donc là, du coup, on va retourner à la maison de Franklin chercher sa voiture. Alors pour aller la chercher, le plus simple, c'est quand même d'appeler un taxi. Comme
ça, on peut se téléporter directement où on veut aller. C'est plus rapide. Une fois chez Franklin, on prend le véhicule qu'on veut. Donc ça, cette manip fonctionne avec n'importe quel véhicule du solo vers le online. N'importe lequel. Après, la difficulté, c'est de pouvoir les mettre dans le garage. Donc certains, on peut, avec la manip précédente qui fonctionnait à un 10 et qui toujours fonctionnait dans un 11. Mais certains autres véhicules, du fait de leur caractère spécial et du fait que Rockstar ait fait en sorte qu'on ne puisse plus les mettre dans le garage, ceux-là ne pourront toujours pas être rentrés dedans. Donc on se rend donc à un autre garage où on a fait le point de sauvegarde devant la maison. Pour ma part, mon appartement est ici. Une fois arrivé près de votre appart, vous allez garer le véhicule pas trop loin de votre perso, mais en sorte qu'il ne gêne pas la circulation. Là, vous allez retourner sur le online, donc start en ligne. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas rejoindre de session sur invitation parce que ça ne marche pas. Je n'ai personnellement pas vraiment essayé pour Crew, pour vous et vos amis. J'ai fait l'essai 5-6 fois, ça n'a fonctionné. À chaque fois, je me mettais en fait sur Go, tout simplement, parce que sur invitation, ça ne fonctionne pas. Donc on se met sur... Donc là, le risque, c'est bien évidemment, on va tomber dans une partie publique. Et donc là, comme on tombe dans une partie publique, le risque, c'est comme un roulette russe, on peut se faire tuer. Mais vous voyez bien que la Buffalo de Franklin est ici. Et comme on s'est mis près de notre garage, vu qu'on est en partie publique, on n'a plus qu'à aller la rentrer. Donc là, mon garage est plein. Donc je vais quand même vous montrer que je peux la rentrer dedans. Donc je vais devoir sacrifier un véhicule. Dommage pour moi. Donc là, on va sacrifier. La première, voilà, celle-ci. Et là, on voit bien que l'on a la Buffalo de Franklin dans notre garage. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi ce glitch. J'espère que j'ai répondu aux 2-3 commentaires qui me demandaient est-ce que le glitch d'importation du solo online fonctionne toujours ? Que j'ai dû répondre non, il ne fonctionne plus. Et que j'ai été assez rapide pour vous, pour vous en dégoûter à nouveau. Merci aux Ricains au passage, parce qu'ils sont trop forts ceux-là. À peine Apache sort, déjà ils nous trouvent la solution. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi et à de nouvelles vidéos. Bye bye.